RFM, l'invité du 16-20. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Si vous êtes dans la voiture, vous partez en week-end, vous allez monter le son. Si vous êtes chez vous, branchez-vous sur la page Facebook d'RFM. On est en Facebook Live avec notre invité Amel Bent. Bonjour Amel. Bonjour. Bonjour Amel, bienvenue dans le 16-20. C'est la première fois que tu viens. Ben je crois, ouais. Il me semble. Hein. Mais pression. Elle vient souvent sur RFM, c'est un peu la maison. C'est ici, vrai, c'est hein. Vrai. Mais je suis très heureuse d'être là. Lossa, le nouveau single est sorti aujourd'hui. Oui. Alors on a plein de choses, plein de raisons pour t'applaudir. Déjà le nouveau single, l'album Vivant Disque d'Or, ça oui. S'applaudit. Merci. Jeune maman de nouveau, ça et s'applaudit. Puis aussi, le fait que tu seras sur scène le 18 juin dans le RFM Music Show avec oui. Tous les artistes de la famille RFM. Oui, oui, je suis très très heureuse. On a préparé des choses très sympas pour ce live. Oui, et on va voir un avant-goût aujourd'hui, parce que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Philippe à la guitare, Rally les Brenda dans les chœurs, avec ce nouveau single, c'est quoi? On va l'écouter tout de suite, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah avec grand plaisir. On est en live sur RFM, sur la page oui. Facebook d'RFM, le temps qu'Amel s'installe. Le nouveau single est sorti aujourd'hui, ça fera partie d'une réédition de l'album Vivante, on en parlera juste après. Ça s'appelle Lossa, et c'est sur RFM, c'est notre invité Amel Bent, en live les amis. T'es rien qu'un lossa, baby. Tu me fais du vice all night. Fais pas de rasta, baby. Avec moi tu tombes mal. Fais pas de lossa, baby. Tu me fais du vice all night. Fais pas de rasta, baby. Avec moi tu tombes mal. Je peux pas tout te donner maintenant. Donne-moi du temps. Tu veux me balader? Dis-moi c'est quoi ton plan? Fais-moi voyager. Un aller sans retour. Je te serai fidèle jusqu'au bout du parcours. Y'a pas de place pour une autre. Trop de bagages dans le coffre. Avec moi pas de détour. Sans lendemain. Assure-toi de faire le plein. T'es rien qu'un lossa, baby. Tu me fais du vice all night. Fais pas ta rasta, baby. Avec moi tu tombes mal. T'es rien qu'un lossa, baby. Lossa. Tu me fais du vice all night. Lossa. Fais pas ta rasta, baby. Avec moi tu tombes mal. Et main dans la main et côte à côte, se dire je t'aime jusqu'à l'aube. Même au bout du monde, je serai jamais loin. Et si je m'éloigne de temps en temps, au fond je ne fais jamais semblant. Mon cœur met des virgules mais jamais de points. Et t'es rien qu'un lossa, baby. Tu me fais du vice all night. Fais pas ta rasta, baby. Avec moi tu tombes mal. T'es rien qu'un lossa, baby. Tu me fais du vice all night. Fais pas ta rasta, baby. Avec moi tu tombes mal. C'est beau. Merci. Ah, bravo les chœurs, bravo. Merci à tous, c'était très très joli. Bossa Nova, c'est le tube de l'été. Allez, bing. Lossa, Amel Bent, tiens, assieds-toi Amel. On est en direct évidemment sur RFM, c'est tout nouveau hein, ce single qui sera donc, si je ne me trompe, pour une réédition de l'album Vivante, c'est ça? Oui, en fin de compte, moi je ne suis pas retournée en studio depuis l'accouchement. Donc, ok. C'est vrai, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, il a 2 mois mon petit bébé, et puis I've the Vice, et puis je prépare la tournée aussi. Et c'est vrai que cette rencontre avec Benny, que je dois à Lazara. Ah oui. Qui est une autre artiste et qui sera au RFM Music Show. RFM, voilà, qui m'a tant parlé de Benny, qui m'a fait vraiment. Elle a été dithyrambique. Elle m'a dit, faut que tu rencontres ce gars. C'est un auteur, un compositeur incroyable. Il est canadien comme elle. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés et puis il m'a fait écouter Lossa qu'il avait déjà composé. D'accord. Et moi je me suis dit, le titre est dingue, mais je me projette absolument pas dessus. Donc j'ai appelé ma copine Vita. Et on a fait une nuit de studio. Je lui ai dit, voilà, aide-moi à me sentir à l'aise en fait dans ce costume. Donc c'est toi qui t'es incrusté dans cette chanson. Exactement. Okay. Et on a écrit avec Vita et John Maman et Benny, mes parties à moi. Je me suis encore retrouvée à l'école, encore en apprentissage pour essayer vraiment d'avoir le bon ton finalement sur un titre un style que j'ai pas trop l'habitude sur lequel j'ai pas l'habitude de poser. Et puis finalement, à la sortie du studio, 4h30 du matin, tour de périph, j'ai dit waouh, là je tiens un titre incroyable, j'étais trop fière déjà d'y être arrivée. Et puis surtout, là, aujourd'hui, je le défends et il fait partie maintenant de mon répertoire. Je remercie Benny, Vita marche, et John. Ouais. Ouais, c'est très efficace. Alors, il y a une question de Julie, justement, sur tes projets qui écoutent RFM et qui nous suivent
question en ce moment sur Facebook Live. Quels sont tes projets? Qu'est-ce qui te fait rêver après? La comédie, la télé, la scène, la musique. Pourquoi pas une comédie musicale? Non, dormir, dormir. Dormir, alors comédie musicale. Mon projet dans l'immédiat, c'est dormir. Non, non, non. C'est honnête au moins. Non, non, il me laisse dormir, heureusement. Mais je veux dire, là, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je suis évidemment, oui, sur scène. J'ai le fauteuil de The Voice. Je suis en promo. J'ai la chance de pouvoir vous voir, venir parler de mes projets, être un peu parfois devant la caméra. Plus de 3 enfants, enfin je veux dire, oui, à un moment donné. Alors elle parlait artistiquement, tu vois, par exemple, elle te voyait peut-être dans une comédie musicale. Non, malheureusement, ça demanderait trop de temps et du temps que j'ai, mais que j'ai envie de garder précieux pour ma famille aussi. Donc là, c'est déjà pas mal. On a déjà plein de boulot, on est en pleine préparation donc de la tournée avec l'équipe. Mais t'es très entourée là, et tu viens de parler justement de Benny Adam, de Lazara, Vita, etc. Et on te sent toujours très entourée, même dans tes chansons, c'est souvent des duos, etc. T'as fait un album aussi avec Camilla Jordana et Vita. Oui. J'ai l'impression que ça revient souvent, cet esprit de bande en fait. C'est très, très nouveau pour moi. Moi j'ai toujours été un peu une louve solitaire. C'est vrai que je me suis souvent enfermée en studio. Je recevais les chansons par mail. Je les travaillais seule avec mon ingénieur qui était mon mixeur et mon réalisateur, que j'embrasse, Volodia. Et puis c'est vraiment depuis ce dernier album Vivante, parce qu'à un moment donné il fallait aussi changer un petit peu le décor pour moi, pour aussi comprendre qui j'étais devenue et ne pas essayer de coller à un cadre qui était obsolète finalement. Et c'est passé par ces rencontres, par ces moments d'échange. Moi, j'étais terrifiée à l'idée de partager une séance studio avec d'autres personnes. D'accord. Ah ouais, vraiment, j'avais la boule au ventre. Puis je m'y suis habituée. J'ai arrêté avec mes tocs, je chantais toujours dans le même micro avec la même personne. Et je me suis laissée vivre un petit peu. Et puis ça donne justement jusqu'au bout, 1, 2, 3. Mais aussi tout l'album Vivante qui a été fait comme ça aussi. Eh ben on va le survoler. Allez Nico. Avec un paquet de tubes à l'intérieur dans cet album Vivante. On enchaîne. Tu l'avais fait dans un autre RFM Music Show. Les gens étaient tous là. C'est incroyable. Et enfin, c'était pour mon retour après le Covid. J'avais jamais chanté devant le public. Exactement. C'était pour RFM. Et puis en ce moment, on entend beaucoup ton nom sur RFM aussi. Donc là, on a exploré beaucoup de choses un peu différentes qui font cet album. Qui font moi. En fait, moi, j'aime les chansons déchirantes. C'est vrai que mes premiers amours, ça a été la grande chanson française avec les grands textes et surtout les thèmes qui sont toujours du cœur, de l'âme, le cœur brisé, la peine, la nostalgie, la grande mélancolie, le temps qui passe. Et puis, de l'autre côté, toute cette influence afro-américaine, le R&B, vraiment des années 90, 2000, voilà, avec beaucoup de cœur, beaucoup de nonchalance dans beaucoup de flow, beaucoup de rap, etc. Et en fait, ça a été un peu le combat de ma vie d'artiste que d'essayer de faire les deux. Et aujourd'hui, je suis complètement décomplexée pour ça. Donc, je peux passer de ton nom à Lossa sans avoir l'impression d'être une touriste. Ça fait partie de moi. Et c'est pour ça que les gens t'aiment, d'ailleurs. Oui, et c'est aussi pour ça que tu influences beaucoup les jeunes qui viennent à The Voice. T'es devenue un peu la patronne cette année avec Marc Lavoine, hein, quand même. Vous tenez la baraque tous les deux. Ah bon? Non, c'est vrai. Florent Pagny, tous. Vianney, Non, mais ce qui est bien, c'est que t'as changé par rapport à l'année dernière, ta façon de voir les artistes. On voit qu'il y a quelque chose de plus doux, de plus mama que tu as avec eux qu'avant. L'année dernière, j'étais quoi? On a tous envie de venir dans ton équipe. Non mais c'est vrai, il y a vraiment quelque chose de plus doux quoi. On a envie que tu nous fasses un câlin, tu vois. Écoute. Hein. Quelle chanson tu choisirais toi pour une audition à l'aveugle? À la Bohème évidemment, mais c'est ce que j'ai fait hein, pour la Nouvelle Star. Et qu'est-ce que tu dirais chance. Toujours Aznavour. Ah bah oui, Aznavour c'est mon. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Amel, parce que tu vas nous faire un petit cadeau avec tes amis, ma philosophie, mais en version guitare, voix, cœur. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Amel qui chante Ma philosophie, qui est numéro 1, qui se retrouve d'un coup comme ça, propulsée? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Est-ce que tu changerais des trucs? Je lui dirais, ça t'arrivera pas tout le temps, mais ça t'arrivera encore. Donc lâche rien. Ah oui, parce qu'il y a des hauts et des bas comme dans tous les Évidemment, artistes. Évidemment, mais ça fait peur. Quand on est dans les hauts, ça fait presque aussi plus peur que quand on est en bas d'ailleurs. Et on n'est jamais vraiment en bas finalement. En fait, on attend le jour où ça marche moins parce qu'on se dit, le jour où ça va arriver, je ne vais pas m'en remettre, ça va être dur, je ne vais pas réussir à me relever. Puis finalement, une fois que c'est arrivé, on se rend compte qu'on est entier et qu'il faut juste retourner chanter et ça se passe bien. Ça fait 18 ans, donc franchement, je ne vais pas me plaindre. Je prends tout, je garde tout, je ne regrette rien. Et tout a commencé par Ma philosophie. Exactement. On te laisse aller en live. J'allais pas faire celle-là, donc là, je les ai un peu pris de court, mais c'est comme ouais. Vous m'avez dit, j'aimerais bien. Tout le monde a envie d'entendre du coup. Je leur ai dit, on a changé d'avis à la dernière seconde. Ouais, c'était un peu improvisé, mais c'est pas grave. On est content. C'est pas comme si on la connaissait pas tous les jours. Inédit. Puis c'est des répètes.
on part en tournée dans deux semaines quand même. Allez, ouais, les amis. Voilà, ce qui est génial, c'est que vous êtes en Facebook Live sur RFM avec le dernier single qu'on a entendu et le premier single. On revient donc 18 ans en arrière pour Ma philosophie avec Brenda, Khalil, Philippe à la guitare et Amel Ben qui est notre invité en direct sur RFM. Vous l'aimez cette chanson ? Ah mais évidemment, on l'adore. Alors, vous allez chanter le refrain. Mais grave. Parce que nous, tu ma philosophie, on n'a pas l'habitude de la chanter sans qu'il y ait de la ferveur avec nous. Mais toi dans le fauteuil, Amel, on va chanter. Ah ben non, moi je juge personne, je veux que kiffer avec vous. Ok. La nuit, ça veut dire continue, on dirait les Césars, tu sais, quand il faut fermer ta bouche. Ah oui, c'est vrai, c'est trop long. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Lever la tête, couper le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Et je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé dans l'avenir. Lever la tête et sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Oh, 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 oh. Ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait. Et moi, je voudrais viser la lune, 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 je voudrais viser la lune. Ouh. Oh non, non, non. C'est un grand oui. Désolé, on s'est un peu couaqué, mais le cœur y est. Non, pas du tout. Ils sont... Alors, il faut quand même que je raconte l'envers du décor. Ils ont eu 2 minutes pour le répéter et ça s'est fait de c'est façon très naturelle. Bravo, les amis. Bravo à tous. Ça nous fait désolé, très, très plaisir. Désolé, Philippe, à la guitare. Tu comprenais alors... pas où je voulais en venir. Et moi, je sais. Là, on a inventé un refrain qui a commencé très faux, mais qui s'est bien goupillé. Ouais, on s'est bien. Vous avez bien fait de viser la lune, finalement. Si on a une seconde pour parler de la guitare qui n'a pas de fond, elle est marrante, ta guitare. Oui, elle est bon, comme moi. On la montre à la caméra. Elle si vous moi nous suivez sur elle est tout géniale. Va bien. Et tu parlais de ta tournée tout à l'heure, ça va commencer, je vais donner les dates quand même, le 29 juin à Forges-les-Eaux, puis oui, les festivals cet été. Et puis il y aura une tournée en France à la rentrée, dont le Palais des Sports, le Dôme de Paris, le 24 septembre. Oui. Où on sera, parce qu'on sera invité avec l'équipe des RFM. Ah ben bah j'espère bien. Et moi, j'espère bien. Mec, s'invite tout seul, tu sais. Ah ben bah non, mais vous serez là. Hein. Je compte sur Coralie, l'attachée de presse que vous connaissez, pour voilà, inviter tous les partenaires, tous les gens qui nous ont soutenus sur cet album et puis
même depuis longtemps, donc évidemment vous serez là. Bah merci Amel et encore bravo pour toutes ces chansons, on en attend encore plein d'autres, on les chante à chaque fois. Ah bah ça c'est trop cool, j'étais ravie d'être là. Une petite date pour la réédition peut-être, tu l'as déjà ou pas? Ah non pas du tout. Pas encore. Là, le truc c'est, au planning là c'est la prochaine date de studio déjà, après on verra pour la date de réédition. Et merci pour ce nouveau single qui s'appelle Lossa. Yeah. Hey. Fais pas ta rosta. C'est, j'ai déjà dans la tête, avec c'est terrible. On a eu deux belles versions inédites, hein. Vraiment magnifiques. Non, c'était très bien. C'était très bien. En Facebook Live sur RFM, revoyez cette vidéo. Amel Ben, non, notre pas invité. Ma philosophie. Regardez comment ça. Merci Amel, à très très bientôt. Merci à vous, c'était vraiment top. À c'était bientôt, un bon grand week-end. Plaisir. 16h, 20h, vous écoutez Patangeli et Marie-Pierre Chambry sur RFM.